Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de Halloween Forever sur PlayStation Vita. Un jeu limité à 1500 exemplaires et édité en boîte par Estasia Soft. Comme vous pouvez le voir, la boîte est en relief au niveau du titre du jeu et du Limited Edition. Sur les tranches, on retrouve le code EAS-PV45, le titre du jeu, et le code VLAS40091, et cela des deux côtés. À l'arrière, on a un petit descriptif du jeu, on a également un sticker numéroté, et on découvre ce qu'il y a maintenant à l'intérieur de ce petit jeu. On a le certificat numéroté qui est en relief au niveau du titre, et du Trick or Treat or Die, on a le numéro de l'exemplaire, donc moi je possède la 1483e copie sur 1500, et à l'arrière on a une petite illustration. On a également la bande son du jeu, une bande son de 12 pistes. Dans cette OST, nous avons le droit à un petit dépliant avec une illustration qui ressemble à celle qui est à l'arrière du certificat numéroté. On a bien sûr toujours les pistes à l'arrière, et à l'intérieur nous avons le disque avec le squelette qu'on peut retrouver un peu partout depuis tout à l'heure, avec à l'arrière une petite illustration d'une citrouille. Et enfin, la dernière chose dans cette petite édition limitée, c'est bien sûr le jeu en version physique, avec à l'arrière une petite description du jeu et trois petits screenshots. Et à l'intérieur, on a la cartouche du jeu, le manuel et une jaquette réversible avec une toute nouvelle illustration, et au milieu le logo Halloween Forever, si l'on veut mettre cette illustration là à la place de l'illustration basique. Et pour terminer, découvrons ce que nous propose ce petit manuel. Nous avons donc les contrôles. Une présentation du monde. Les trophées. Encore des trophées et une illustration, puis des notes. Et c'est tout ce que nous avons dans ce petit manuel. Et c'est ainsi que se termine ce tout nouvel unboxing. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à l'avoir et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et la partager, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous laisse. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien, amusez-vous dans ce que vous faites, c'est le plus important. Allez, ciao tout le monde!